Salut à tous, c'est Maximilien et Mehdi de la team BCP. Salut. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur le deck True Draco. Alors ça va être une vidéo un petit peu différente de ce que vous avez pu voir sur YouTube. On va pas faire de deck profile, mais on va faire une analyse du deck, de la façon dont on pense qu'il faut jouer le deck, et puis quelques petites astuces, mais ça on en parlera après. Donc ce qu'on va faire, on va vous présenter un petit peu une compo classique True Draco. Alors comment le deck est composé plutôt? Donc il y a pour nous plusieurs types de cartes. Donc la première type de carte, c'est les cartes d'Engine. Donc les cartes True Draco qui sont obligatoires, voilà, qui sont standards. Ensuite on va vous parler un petit peu des cartes de draw power ou des cartes de consistance. Ça va être les cartes comme Demise, tout ça, tous les types de cartes que vous pouvez jouer pour ajouter de la consistance à votre deck. Ensuite la partie Floodgate. Donc on considère qu'il y a deux types de floodgate et on va vous en parler dans cette vidéo. Et enfin les cartes de non-engine. Donc voilà, donc c'est les quatre types de cartes qu'on considère dans le deck. On va vous expliquer les différentes options que vous avez, nos avis sur les cartes, voilà, parce qu'on n'est pas forcément d'accord. Il n'y a aucune vérité, hein, c'est juste pour débattre et voir ce qui est le mieux. Et ensuite on parlera des petits défauts du deck et surtout la partie importante. Le side. La partie side deck, alors pas la nôtre, mais la partie side deck adverse. On verra que la plus grosse faiblesse du deck, en plus des combo deck, c'est le side adverse. Donc on verra comment jouer autour le plus efficacement possible et quand c'est possible. c'est pas tout le temps le cas. Voilà, bon ben, bonne vidéo. Alors du coup on va vous montrer un petit peu la base True Draco obligatoire dans toutes les compos. Donc ce qu'on considère les cartes d'Engine qui sont indispensables. Il y aura peut-être une petite nuance sur une carte qu'on préfère jouer x2 ou x3 selon les personnes. Donc c'est parti. Donc le premier, c'est évidemment le Dynamite, le chercheur des pièges. On le joue x1 parce qu'il est x1, mais s'il était x2 ou x3, on le jouerait x2 ou x3. Voilà, il n'est pas x1 pour rien. Donc dans la même idée, les Ignis qui vont chercher les magies. Très fort pour faire des extra tributes. Voilà, rien d'autre à rajouter. Et c'est là où il peut y avoir débat, c'est sur les Maiden, donc celui qui va tuto les monstres. Moi j'aime beaucoup A3. Certains trouvent que 3 c'est trop, ça fait trop de monstres, donc ça peut faire brique. Je peux comprendre, c'est après les goûts et les couleurs. Bon, c'est en fonction des tests et des ressentis de chacun. Toi, t'es plus 2 ou 3? Moi, en général. Bon, après, il faut dire que j'ai eu des ressentis des Demise qui me font plus chez 3 Maiden. Donc, ça marque un peu. Mais de manière générale, je préfère les mettre x2. Parce que je me dis qu'on peut tutoriser. Enfin, vu que tous tuto dans le deck, je pense que 2 c'est largement suffisant. Donc voilà, donc ça veut pas dire qu'il y en a un qui est plus mauvais que l'autre. C'est juste que c'est les ressentis, les avis. Il y aura le débat sur d'autres cartes aussi. Donc voilà. 2 ou 3, mais en tout cas Simon, c'est vraiment le minimum qu'il faut jouer. Ensuite pour les cartes True Draco, alors c'est pas une carte True Draco, mais c'est la key card du deck, la meilleure, hein, clairement, qui va chercher tout le deck. On sous-estime trop des fois la partie plus 300 en attaque et indestructible au combat une fois. C'est vraiment important puisque depuis la ban de ce monsieur, on a vraiment du mal à passer les gros monstres. Le fait que nos monstres dépassent 2500 d'attaque, c'est une barre symbolique dans Yu-Gi-Oh! Qui est quand même importante. Mmh. Et la protection au combat, c'est super important. Et en plus, c'est pas une hard once per turn, ce qui est quand même plutôt sympathique. Plutôt sympathique, ouais, voilà. Bon. Après, les classiques, héritage pour les draws. Disciple pour recycler les ressources. Les 3 Apocalypse, alors qui pareil, depuis la bande de Masterpiece, on a du mal à passer les gros monstres, qui est vraiment indispensable, et elle est presque meilleure que sa copine Return, qui reste quand même très fort, mais c'est vrai que j'aurais plus de mal, moi, à jouer avec une seule Apo que... C'est vrai qu'Apocalypse, déjà, elle permet, bon, mis à part le fait que ça permet d'empêcher les replays pendant la damage step. Ouais. C'est vraiment une carte qu'on n'attend pas à voir, et si l'adversaire prend pas en compte, il peut perdre ses gros tons qu'il a mis du temps à mettre sur le board. Puis par exemple, le fait de pouvoir faire ça en damage step sur une Apocalypse, et du coup pouvoir détruire le monstre en damage step, c'est vraiment des choses qui sont intéressantes. Voilà, donc ça fait quand même une engine assez conséquente, donc ça nous fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ça nous fait 19 à 20 cartes si on joue 3 Maiden ou non, qui sont... indispensable, il faut obligatoirement jouer.
Ensuite, donc la deuxième type de cartes qui vont au deck, c'est les cartes de consistance ou de draw engine, draw power, comme on peut les appeler. Bon, on va commencer par la carte de tricheur. Ouais, bah, la carte qui fait que le deck est vraiment... Vraiment fort. Bon, je pense que vous l'aurez compris. On parle bien sûr de la carte of Demise, qui aurait pu prendre la balle. Elle est passée à 2 au Japon à un moment, elle est revenue à 3. Ah bon, il y a Evenly dans le format, donc c'est vrai qu'elle est un peu unfair, mais bon, elle est quand même punitive. Bon. Faut savoir la jouer. Faut savoir jouer autour d'Evenly, puisque jouer ça, c'est s'exposer à Evenly, donc voilà. Du coup, faut prendre ça en compte. C'est une très bonne carte, x3 obligatoire, donc vous voyez déjà les slots obligatoires, ça monte vite. Une autre carte que je considère indispensable, c'est le pot de dualité. On fait aucune spé dans le deck, donc... Carte of Demise et pot de dualité, on voilà, prend pas les restrictions. Et puis, pot de dualité est là pour chercher. Évidemment. Pour aider à piocher la carte de tricheur. Voilà, faut la jouer x3. Certains la jouent x2, parce qu'ils ont peur de l'avoir deux fois en main, trop en main. Pour moi, la consistance, ça reste de la consistance. C'est un deck qui est contrôle. Donc, on peut très facilement en utiliser une, bloquer l'adversaire et utiliser la deuxième au tour d'après. Donc, pour moi, c'est x3. Je suis d'accord. Ensuite, la carte un petit peu controversée du deck, c'est le pot des désirs. Alors, on vous en a mis 3. Le ratio standard, c'est plutôt 2. Moi, j'adore la carte. Je suis un grand fan de la carte. C'est vrai qu'elle est risquée. Parce que le problème, c'est qu'on peut bannir nos ressources. Et la carte la plus problématique à bannir... C'est le disciple, parce que du coup, si on en bannit deux, on perd notre recyclage en grind game, notre recyclage infini, ça peut être problématique. Après, ça reste une carte qui fait quand même piocher deux. On peut toujours sortir les fois une du deck, comme Return et Dynamite, qui sont tutorisables, par diagramme, par Maiden. Et au pire des cas, bah, si on en a besoin, il faut juste pas l'activer. Donc, moi, pour moi, c'est une carte très forte. Que je jouerais, enfin, quoi qu'il arrive. Après, on va pas se mentir non plus, on a tous connu des mauvaises surprises, tous connu des. On banne trois fois la même carte, ça reste rare. Voilà. C'est le dilemme de la carte, faut arriver à se dire, est-ce que si j'active pas la carte, est-ce que je peux gagner? Ouais, bah ouais, parce que des fois, on se rend compte que des fois. Qu'est-ce qu'il y aurait, à part Desire, qu'est-ce qui pourrait nous sauver à ce moment-là? Et des fois, bah, la réponse, c'est Desire, quoi. Bon, sauf si on a Demise, évidemment, mais... Après, ouais. Du coup, un autre avantage, c'est que ça peut servir d'appât pour une potentielle hache, pour pouvoir passer une Demise après. Exactement. Donc ensuite, bon, bah, la fameuse carte qui fait jouer à 39, le Upstart, qui est pas facile à caser des fois, quand le format est très varié, c'est vrai que c'est pas évident de la jouer. Personnellement, j'ai longtemps joué à 42, j'en suis pas fier, mais voilà. Bon, Upstart dans un deck consistant, enfin, ou pas consistant, c'est quand même une bonne carte. Et la carte qui peut faire débat, ça va dépendre de si vous jouez une version avec ou sans extra deck, ça va être les pots d'extravagance. La carte est mitigée pour moi parce que même si j'envisageais de jouer avec un extra deck, je suis pas un grand fan de la carte puisque dès qu'on l'active, au final, on se bloque avec les potentiels draws que le deck peut avoir. Et du coup, c'est vrai que ça peut-être être embêtant de se bloquer ces cartes-là en fait pour draw, sachant qu'en plus, on peut la piocher après. Après une Demise ou après justement ces cartes là, et du coup comme il est activable qu'en début de main phase, je suis pas convaincu par la carte. Après, ça pourrait être une solution envisageable s'il banne Card of Demise. Je sais pas ce que t'en penses, Tamedi. Moi je rejoins un peu ce que tu dis dans le sens où le fait de devoir l'activer que en main phase 1, début de main phase 1, vu qu'on a quand même pas mal de cartes qui nous font piocher, se dire que la piocher même en milieu de main phase 1, sous un pot de dualité par exemple, ça rend la carte caduque. Donc du coup, est-ce qu'on n'aurait pas préféré avoir une autre carte beaucoup plus utile? Et puis ça implique de jouer un extra deck, et on en parlera plus tard. Il y a débat. Oui. Voilà.
Donc il reste après deux cartes de consistance. Bon, évidemment, on vous a dit tout à l'heure que Diagram était la key card. Pourquoi pas en jouer 5? Voilà. Et oui, hein, Terraforming, c'est des diagrammes en plus. Voilà, ça me semble être le ratio parfait, 5 terrains. Sachant qu'à l'époque où Terraforming était à 3, j'en jouais 2 personnellement. Ouais. On n'aime pas avoir trop de diagrammes non plus, mais on n'aime pas ne pas le voir. Donc 5, ça semble être le ratio le plus correct, je pense. Et la dernière carte, une carte que j'ai beaucoup aimée, un petit peu plus dur à jouer en ce moment, parce que peut-être un petit peu lent, c'est les Waterfall. Ce qui est bien avec cette carte, c'est qu'elle permet de débriquer les mains full monstre et de débriquer les mains sans monstre. Et ça, c'est vraiment intéressant de ce point de vue-là. Je sais pas ce que t'en penses, Tommy. Moi, j'aime bien la carte parce qu'elle permet de jouer sous Evenly Match. Ça, j'aime bien le fait d'avoir des cartes comme ça qui permettent de... d'absorber les Evenly tout en faisant du CA. Alors, l'idée, c'est surtout que si jamais il nous fait Evenly, en fait, on va faire l'effet de notre Draco et après, on va sacrifier le Draco pour piocher deux. Du coup, on aura trois cartes en main. Et si on n'a pas d'autre chose qu'on peut activer, évidemment, ça, c'est vraiment intéressant. Puis aussi, il y a un petit trick qui est sympa avec le diagramme, si tu peux expliquer. Donc, du coup, un des combos plutôt sympathiques, c'est de faire un diagramme, demander si l'adversaire a une réponse, évidemment. Et s'il n'a pas de réponse, de chaîner Waterfall. Donc, du coup, avec Waterfall, on va aller prendre un monstre. Et diagramme, du coup, va péter Waterfall. Et en fonction de la situation dans laquelle on se trouve, on peut aller soit prendre une magie continue ou une pioche continue. On aura au moins de quoi. Voilà, on aura de quoi sacrifier le monstre qu'on a tutorisé avec Waterfall. Donc c'est un combo plutôt sympathique, un peu lent certes, mais sympathique. Et puis il y a un petit trick aussi qui peut être marrant avec Return, puisque l'idée c'est que si jamais on a le Return, enfin en fin de tour on se paie un monstre, bah du coup ça fait typiquement un pot de cupidité. Ouais, un petit pot de cupidité gratuit, donc bon, on crache pas dessus. Ouais, bien sûr. Ouais. Voilà. Donc c'est tout pour les cartes de consistance. Alors la grosse partie Trou Draco, là où les joueurs Trou Draco se font un petit peu critiquer, disent que c'est pas très brain, c'est la partie Floodgate. Alors nous, on a décidé de diviser la partie Floodgate en deux types. Pourquoi ? Parce que depuis un an, il y a une carte qui est sortie qui s'appelle le Nightmare Phoenix. Alors pourquoi on le divise en deux ? Parce qu'il y a des Floodgate qui sont déjà polyvalentes première, deuxième, ce que le deuxième type est plus axé first, mais c'est surtout que le deuxième type, la majeure partie des cartes qu'on va vous présenter, se font gérer par Phoenix en fait. Mmh. Et du coup, par exemple, Order c'est super fort, mais faut penser qu'il peut se faire out avec deux monstres. C'est ça. Vu que ça fait typhon. Donc voilà. Donc, on va vous parler des cartes, comme on a dit, polyvalentes. Donc. La meilleure, selon moi, tu me dis si tu n'es pas d'accord, hein, mais la Monarque Irrupte, donc qui fait Skill Drain, le voici. Donc on peut jouer jusqu'à 4 Skill Drain dans le deck. Évidemment, la carte est très forte. Elle est quand même forte en seconde, puisqu'elle permet quand même de remonter un board si on a eu tous ses effets. Certains decks meurent dessus. Moi, je suis un grand fan de la carte. Si je pouvais en jouer plus que 4... Enfin... On est d'accord qu'elle est quand même bien meilleure que Skill Drain, puisqu'elle ne gêne pas. Vraiment indispensable, je pense, non. Après, donc du coup, bon, déjà, ça contre pas mal les decks du moment. Donc ça, c'est déjà, on va pas cracher dessus. Et mis à part le fait que ça soit une carte piège continue qu'on puisse sacrifier pour invoquer nos monstres, le seul désavantage, du coup, bon, je pense qu'on va en parler, mais c'est le fait que du coup, ça bloque l'extra deck. Bah, le fait qu'on n'ait pas d'extra deck, on va le voir après dans la vidéo, ça peut être, c'est son gros défaut, ça nous empêche aussi de jouer certaines cartes, mais on en parlera après. Ensuite, donc la Floodgate est la plus forte dans Trou Draco, ça ne veut pas dire qu'il faut la jouer obligatoirement, ça va dépendre du format dans lequel on se trouve, mais c'est celle qui gêne le moins. Qui gêne pas du tout. Mais... Qui gêne pas du tout, oui. C'est la rivalerie, on joue que des Wyrm. Oui. Donc ça nous gêne pas du tout. Alors après c'est peut-être pas forcément la meilleure selon les formats. Typiquement Salamangre qui joue que des Cybers, c'est peut-être pas la meilleure contre Thunder qui joue que des Thunder. Bon voilà, il y a certains decks dans lesquels c'est pas ultra fort, mais c'est celle qui gêne le moins le deck. Voilà. Encore une fois, ça permet de prévenir l'arrivée du Phoenix. Bon, sauf s'il a deux Fiends et qui bon. C'est un peu pas de chance, mais on a quand même les pièges pour disrupt normalement, ça. Pour éviter ça. Donc voilà.
Et donc du coup dans le même genre. Mais... dans le même genre, l'effet complètement opposé et qui sur le papier nous dérange. Qu'on peut jouer qu'un trou draco, enfin qu'un trou draco à chaque fois, c'est il ne peut en avoir qu'un, qui est la meilleure floodgate du moment, puisqu'elle contre Salamangreat, elle est correcte contre Orcus et elle est correcte contre. Striker. Contre Thunder, elle est forte aussi, contre Pendule, elle est forte. Quand même assez forte, enfin elle n'est pas morte en tout cas, même en miroir trou draco, elle peut être sympa, bien placée, donc c'est pour nous la meilleure floodgate du moment, même si ça peut arriver qu'elle nous gêne un petit peu, on a quand même diagramme pour la péter voilà. Si besoin, bon il y a quand même des moyens de s'en sortir. Et dans le même genre, la dernière, le Gozen, que j'ai beaucoup aimé jouer au format d'avant contre Striker. C'est dans le même principe, c'est pour les attributs. Il n'y a pas d'équivalent à Gozen comme il ne peut en avoir qu'un. Donc peut-être qu'un jour ça sortira, puis on aura toutes les armes pour se défendre sur tous les formats. Donc voilà. Donc ça c'était le premier type de floodgate. On va passer au deuxième type. Alors on va commencer par deux floodgates qui contredisent un petit peu cette théorie sur le Nightmare Phoenix, puisque c'est des cartes qui peuvent aussi le bloquer. Ça va être donc Lose One Turn. Alors c'est une très bonne carte, mais très très axée first, qui peut bloquer le Phoenix. Je la trouve trop axée first personnellement, mais c'est comme un mini skill drain en plus quoi. Moins en vue depuis quand même l'apparition des Link, parce qu'on les passe pas en défense, mais on a eu quand même l'effet. C'est important, ouais. Mais bon, c'est une carte qu'on pourrait peut-être envisager plus tard. Voilà, on va pas vous présenter que des floodgates joués tout de suite. Le but c'est vraiment de vous montrer un petit peu ce qu'on pense qui pourrait être joué à court moyen terme. Donc voilà, et dans la même idée, donc où ça se prend pas à Phoenix, c'est la fameuse Summon Limit, qui est évidemment très axée first. Et très joué en ce moment quand même. Assez joué en ce moment, c'est vraiment vraiment intéressant puisque c'est vrai que deux monstres, tu peux plus utiliser ton extra en fin de compte. Faut faire attention contre Pendule. Une Pendule Summon, c'est une invoque. Donc à ne pas oublier, puis sinon la carte est très forte, mais encore une fois très axée first. Les autres floodgates, alors on va commencer peut-être par les x1. Elles sont pas x1 pour rien, on peut dire ça. Il y en a même qui n'étaient même plus x1, qui étaient même bannies. Celle qui n'est plus bannie depuis quelques temps, qui vole pas mal de games, la Pearl Order. Alors c'est une très bonne carte, faut quand même faire attention parce qu'on joue beaucoup de magie dans le deck. Quasiment la moitié du deck c'est des magies. Contre Striker on va pas débattre dessus. Je pense que tout a été dit là-dessus. Elle négate Twin Twister accessoirement, ce qui est quand même intéressant. Bon, c'est une carte un peu de tricheur. Après, un autre truc bien placé sur ton adversaire, si vous avez un monstre déjà dans votre main, vous pouvez vous dire j'annule ses magies pour un tour et après je peux me permettre de l'enlever. De le sacrifier, exactement. Dans la même idée, le Soul Drain pour les effets de monstre ou banni, c'est toujours sympa à avoir, ça nous touche pas du tout, ça nous gêne pas, donc on prend. On peut prendre, voilà, en fonction des formats. Par exemple, pour Torcus ou Salam, c'est plutôt cool. C'est même très sympathique. Très sympathique. Ensuite, la fissure. La fissure qui va pas tellement nous gêner que ça, puisqu'on va toujours pouvoir péter nos magies et pièges trop draco et générer du CA. À la rigueur, les monstres sont bannis, c'est pas trop grave. Là où ça va être un peu plus grave, c'est avec Macro, qui je conseille absolument de pas jouer. Alors, on a toujours comme order la possibilité de la sacrifier si ça nous gêne. Le problème, c'est quand elle touche vraiment le terrain, on a plus de disrupt avec nos magies ou pièges. Donc, trop risqué à mon goût. Ouais, bon après la carte est quand même très forte. Très forte, mais elle est risquée. Voilà, trop risquée. Hein. Donc ensuite, dans l'idée des floodgates, évidemment en fonction du méta, il va y avoir le Mind Drain pour les effets de monstres. Alors là, ce qui nous vient en tête tout de suite, ça peut être éventuellement Thunder et Burning Abyss, mais bon, c'est pas vraiment les decks les plus... Les Elemental Dragon, si Konami décide de faire une folie. C'est une carte qui pourrait un jour, pourquoi pas, si un deck surdomine, why not. Du coup ça c'est même un truc qui est vraiment très intéressant avec le deck Toudraco, c'est qu'en fonction du méta, on a quand même cette flexibilité des floodgates qu'on décide de mettre, et vraiment pour adapter le deck au format dans lequel il se trouve. Exactement. Ensuite, on a les Iron Wall. Alors, les Iron Wall, en plus d'être forts contre les decks qui ont besoin de bannir, donc
on peut penser à Thunder, Orcus, par exemple, Infernoid, bon, c'est plus joué, mais voire même Invoked. Ce qui est bien aussi, c'est qu'il a la faculté de negate Heavenly Match. Cosmic Cyclone. Et Cosmic Cyclone qui est un peu plus joué en plus en ce moment, donc c'est plutôt cool. Voilà, c'est une bonne carte, mais malheureusement, comme on l'a dit, on se répète, elle se fait out par une simple Phoenix. Donc il va bien falloir penser à chaque fois, si vous rentrez ce genre de carte, à vous dire attention, l'adversaire a deux monstres, à tout moment il peut la passer avec Phoenix. Trouver le bon tempo. Voilà. C'est ça, le bon. Il y a aussi les Unending Nightmare, donc une carte qui était pas mal jouée l'année dernière au format du CDF, donc avant que les Strikers arrivent et avant que Masterpiece ne se fasse bannir. C'est une carte que j'aimais beaucoup personnellement, puisqu'elle permet de péter nos propres cartes Tron Draco quand on brique pour pouvoir disrupt. Donc on peut péter nos pièges pour péter des monstres, on peut péter nos magies pour péter des magies face verso. Puis en mirror match Tron Draco, bah, c'est très ça très gère fort. Le diagramme. Ça gère le diagramme. Contre les decks pendules, ça gère les scales. Après, il y a beaucoup de gens qui ont peur des decks mine, des decks Mystic Mine maintenant, qui pensent mettre cette carte en side. Donc s'ils tombent contre nous, ils peuvent se dire que c'est une opportunité de la jouer également. Ah, elle peut se prendre ogre. Bon. Elle est peut-être un petit peu moins fort maintenant depuis la nouvelle règle du time. Donc il faudra peut-être faire un peu plus attention à la jouer. Après, bon, pour le format là tout de suite, bon, à part dans un deck mine, je vois pas. Peut-être les Sky Strikers qui peuvent se décider à la mettre, mais. Moi, je pense pas. Bon. Mais en tout cas, c'est une carte intéressante. Dans un prochain méta. Donc, du coup, l'autre carte qui fait plus ou moins le même boulot contre Pendule, ça va être l'Antispell. Bon, l'anti-spell elle est excellente parce que quand on va commencer, qu'on va l'activer, l'adversaire il va être obligé de poser ses magies. Magies qu'on peut détruire avec nos propres magies. Exactement, les magies qu'on pourra détruire avec nos propres magies. Diagramme pète une magie, ça va péter sa face verso. Si on a l'autre, on peut tribute et on pète notre face verso. Ça peut complètement lock. Donc, typiquement contre Striker, c'est ce qu'on peut conseiller. Et puis après, voilà. Gardez aussi à l'esprit que même si ça bloque beaucoup l'adversaire, ça peut aussi nous pénaliser un petit peu. Un petit peu. Vu qu'on avait dit quand même qu'on joue un nombre conséquent de cartes magie. Bah typiquement des cartes comme Demise ou Pod, ou si on s'est fait un peu remonter le terrain, ça peut être compliqué des fois de repartir. Donc voilà, mais ça reste une bonne carte. On a fini pour les Floodgates. Je vais parler d'une carte que j'aime beaucoup personnellement, qui peut surprendre. C'est un Pearl Custom. Ce que j'aime beaucoup avec la carte, c'est que déjà elle surprend. Ouais. Pas grand monde la connaît. C'est assez sympa de pouvoir protéger une Floodgate d'une Twin Twister, voire d'un Pancratops, voire du Phoenix. Le fameux. Voilà, la carte est super sympa. Alors faut quand même faire attention puisque ça protège toutes les pièges sur tout le terrain, y compris l'adversaire. Donc c'est quand même pas top comme des decks comme Altergeist. Voilà, elle a un facteur surprise. Elle est peut-être plus adaptée à des decks qui jouent beaucoup de Floodgate. Personnellement, j'aime beaucoup en jouer entre 7 et 8. Alors ça m'est arrivé d'en jouer plus par le passé parce que c'était difficile de meta call, surtout au format où il y avait beaucoup de strikers, beaucoup de salam. Et du coup, bah, c'était dur de faire un choix entre il ne peut en avoir qu'un et Gozen. Après, voilà, la carte est sympa. x2, c'est vraiment le maximum. Il faut en avoir qu'une fois sur le terrain. Mais bon, faut quand même la piocher. Bon, j'aime bien la carte, mais bon, c'est plus marrant que ultra compétitif, on peut le dire. Et après, du coup, il y a quand même 3 mentions spéciales pour des magies terrain. Ouais. Vu qu'on joue quand même 2 terraformations. Donc et c'est... on pourrait éventuellement jouer Metaverse, voilà, si on veut aller dans l'excès. C'est ça. Donc c'est des cartes qu'on peut jouer, mais qu'on conseille vraiment pas parce que le diagramme est vraiment trop important. On préfère laisser le diagramme sur le terrain. On préfère laisser le diagramme. Alors ça peut être intéressant si on n'a pas diagramme du tout, mais si on a déjà diagramme. C'est vrai que c'est embêtant de le virer pour ce genre de cartes, mais elles sont peut-être quand même à considérer, donc on va vous les présenter. Donc du coup, on joue pas d'extra deck, donc pourquoi ne pas jouer une magie terrain qui bloque l'adversaire si on ne joue pas d'extra deck? Surtout que Vanity Zampiness n'est plus là, malheureusement. Voilà. Dans le même style de blocage de l'adversaire, il y a la Nécrovalée. Donc la Nécrovalée, elle fait le travail contre les decks du moment.
je pense. Ouais, bah, après, surtout Orcus voilà. Contre Salam. Après, encore une fois, est-ce que Necro Valley c'est meilleur au détriment d'un diagramme, c'est pas sûr. Je pense pas. Et après, du coup, la carte Magie Terrain du moment. Donc, détesté du moment. Détesté, oui. c'est la Mystic Mine. Mystic Mine, quoi dire, mis à part que c'est quand même un cancer voilà. Sur le terrain. Alors nous, on va quand même faire une petite mention sur cette carte-là. On pourrait croire que Trudraco est content que Mystic Mine soit sorti, puisque nous, elle nous gêne absolument pas. On peut les péter avec nos magies Trudraco. Nous, ce qui nous dérange avec la carte, c'est que comme ça gêne beaucoup de decks, eh ben, les decks jouent de plus en plus de PTNP. C'est ça. Et ça nous embête, pour rester poli. C'est un bien pour un mal, du coup. Voilà, c'est ça. Voilà, bon, on a fini pour la partie Floodgate. On va passer aux cartes de Non-Engine. Donc, c'est les cartes qu'on peut rajouter dans le deck Trudraco qui n'ont pas un lien direct avec le deck, mais qui peuvent apporter quand même une plus-value. Donc, la carte qui était jouée, on va commencer par les anciennes. Ouais. C'est le Amano Iwato, et qui est le caillou, le la rocher. Montagne. voilà, elle était très jouée à l'époque du format Masterpiece parce qu'elle permettait de remonter des terrains un petit peu irremontables, on peut le dire. C'est un peu moins vrai dans ce format-là, parce que y a pas mal d'MP, y a des effets continus, il y a les dwellers qui s'activent. Hein. Contre la encre de Striker aussi, qui l'humilie à elle toute seule, c'est un peu plus compliqué de la jouer. Voilà, c'est une carte qui protège d'entrap, on peut le dire. Après, l'avantage, c'est quand même de l'avoir en... si on go first. Ça permet quand même de se dire qu'on peut activer toutes nos magies de pioche. L'esprit tranquille. Exactement. Alors, pour ceux qui n'ont peut-être pas connu cette époque-là, il y a un petit trick avec Card of Demise aussi qui était intéressant, c'est-à-dire qu'on invoquait Amano, on faisait sa Demise, tous ces trucs, et à la fin du tour, on résolvait d'abord Demise, et dans résolution des faits, on résolvait Amano, du coup Amano retournait en main, et on avait encore le Amano après Demise. C'était des trucs sympas. Ouais, c'était... Donc on va présenter son copain, son cousin, son frère, ouais. On peut le dire, l'inspecteur Border, qui est beaucoup plus joué dans ce format-là, parce que tout simplement c'est pas un spirit, il reste sur la table, mais contrairement à son compère, il est bien moins fort en second. Surtout vu les decks du moment qui quand même mettent pas mal de monstres d'extra deck sur la table. Typiquement Salamangreat, Orcus... Striker, il a au moins un monstre et de toute façon il l'humilie aussi avec Ancre. Voilà, c'est quand même une carte assez axée first, beaucoup plus que Amano. Amano est plus polyvalente, elle est plus axée first. Certains la jouent en main deck, on en discutera un petit peu plus tard. Je suis pas très fan. Certains aiment bien, donc ils doivent bien aimer gagner au dé. Mais second, c'est plus une brique qu'autre chose à mon avis. Elle a pioché quand on a fait l'extra norme, parce que du coup on peut pas l'invoquer, il faut le poser. Donc du coup il perd vraiment de son utilité. Aussi, ouais, ça peut arriver. Après aussi. En premier, y a pas de débat, la carte elle met beaucoup de pression sur l'adversaire. Et elle fait comme Amano, elle protège l'entra. C'est ça. On a oublié de le mentionner, mais. Voilà. Ensuite, les gros tons, on va dire, qui permettent de remonter des boards. Donc on va commencer par le plus joué du moment. C'est la sphère de rat. La sphère de rat, elle est vraiment bien puisque le deck a du mal à jouer beaucoup d'entrap et il se fait énormément déborder par les decks qui ont beaucoup de negate. Donc ça, c'est des réponses parfaites. Elle est moyenne quand il y a des decks à des formats endloop. Typiquement avec Gumblar à l'époque, t'avais beau jouer ça, le type il t'avait tué 4 cartes de ta main, tu l'activais, il te restait qu'une en main. À moins que ce soit Demise et qu'il pioche Desire et tout ça, c'était compliqué. Ouais. Là, elle a quand même beaucoup plus de sens dans le format et gère quand même les decks comme Cruzelia, Thunder Dragon et Pendule. Je vois pas quelle carte pourrait nous aider à remonter ce genre de deck. Peut-être Amano, mais du coup, on est quand même lock sous les Thunder, Colossus. Ça reste une carte quand même indispensable, c'est peut-être un mot fort, mais qui est vraiment sympa pour sa place. Et surtout, un point important, elle rentre vraiment bien en synergie avec l'ensemble du deck, vu que quand vous l'invoquez sur le terrain de l'adversaire, c'est pas une invocation spéciale, c'est une invocation normale. Donc, du coup, vous pouvez profiter de vos pots de dualité, carte of demise,
qui normalement ne peuvent pas être activés sous invocation spéciale. Donc voilà. Ça, et si on fait de la comparaison, donc ça aurait pu être les Kaiju, mais du coup, comme tu l'as bien dit, c'est contradictoire avec Demise. Et la vague golem, non, puisque la vague golem, on peut plus normal et les extra tributes sont considérés comme des normales. C'est donc voilà, c'est la carte parfaite pour ce point-là. Et dans le même style, une carte qui était jouée, oh là, qu'est-ce que je suis nostalgique, qui était jouée dans le format OCDF l'année dernière, c'est le Zafion, une carte que j'adore énormément. Bon, pour ceux qui ne connaissent pas cette carte, quand elle a tapé, à la fin de la battle, on shuffle toutes les MP de l'adversaire dans son deck. Ce qui est incroyable en mirror match, parce que si t'as pas de quoi la gérer, bah faut au top deck Demise. C'est ça. Puis elle a un deuxième effet sympa qui est quand elle est envoyée au cimetière. Donc si on la sacrifie pour une tribu de semaine, ça marche aussi. On pioche une. Bon, là elle a quasiment aucun sens dans le format. Moins en vue cette année, mais. Bon, parce qu'il y a des infinites, il y a plein de cartes qui peuvent la contrer. Il y a des cartes qui peuvent la compulser. Enfin bon. Après, c'est une carte quand même sympathique. J'aime bien. Peut-être dans un format. Plus avec beaucoup de back row, ça peut peut-être avoir sa place. Mais bon, le deck 3 co quand même a une facilité à gérer les back row, donc à voir. Ensuite, donc les cartes qui ne sont pas monstres, donc c'est plutôt des staples. Alors, c'est des cartes qui peuvent être jouées un petit peu partout. On les a mis puisque je trouve qu'elles ont quand même un intérêt quand même dans 3 co. On n'a pas mis toutes les staples évidemment. Donc on va vous parler des cartes comme Call by the Grave. Voilà, la carte elle est anti-Endcrab par exemple, H, Ogre ou Drôle par exemple. Ça peut être sympa quand on est sous reboot, ça nous fait une petite interrupt aussi. Et puis on a les fameux tricks avec le diagramme. Ce qui va se passer en fait, c'est qu'on va, on peut par exemple activer diagramme, notre adversaire il va chiner Ghost Ogre. Et du coup, on va chaîner Call by the Grave, et ce qui va se passer, comme un peu avec Waterfall, en résolution, le diagramme va péter le Call by the Grave, et du coup, on va tuto, gratuitement. Donc du coup, on a fait faire du moins l'adversaire, tout en gardant notre CA. Donc, dans le même style, une carte qui était longtemps x1 et qui est passée x3, qui est un peu moins jouée en ce moment, mais toujours sympa quand on est second, c'est les Monarch Storm Force. C'est vrai que le deck il peut avoir quelques difficultés à remonter des monstres, dépasser des monstres inciblables ou avec une trop forte attaque. Ça c'est une des réponses un petit peu parfaites à ce niveau-là. Voilà, toujours avec diagramme, je sais pas si t'as quelque chose de plus. Non, moi j'allais dire avec diagramme, du coup ça permet de prendre un monstre, c'est du un monstre pour un monstre gratuitement, donc pourquoi s'en priver quand on peut le faire. Voilà. Ensuite une carte plutôt sympa que j'adore. Le Strike of the Monarch. Bah écoute, Mehdi, je vais te laisser un petit peu nous dire toi tes ressentis sur la carte. Est-ce qu'elle peut annuler par exemple? Bah, je trouve que la carte, le fait que ça puisse annuler des Heavenly Match, des Twin Twister, qui sont vraiment presque les cauchemars du deck post-side, tout en nous donnant une carte supplémentaire, je trouve que c'est assez consistant. Sachant qu'en général, en plus. Bah, l'un des combos, c'est l'adversaire va activer une carte, disons Evenly Match, vous chaînez votre effet de Trou Draco, puis vous pouvez chaîner Strike des Monarques, donc vous envoyez votre monstre, vous annulez la magie ou la piège, vous piochez une carte et vous avez l'effet d'ajout de votre monstre, donc vous faites du plus 2 tout en. Bah, on fait du 0 techniquement, mais l'adversaire fait du moins 1, ouais. Donc c'est vraiment une carte assez cool. Et enfin, il y a les cartes, les contre-pièges. Alors, on n'en a pas mis beaucoup pour pas qu'il y ait trop de cartes, parce qu'évidemment, il y a plein de cartes qui peuvent être jouées. Donc, bah, il y a le Solemn Strike. Alors, pourquoi on l'a sélectionné? C'est que ce qui peut être intéressant, c'est que quand vous jouez contre des decks qui ont des gros terrains, le fait d'avoir une combinaison comme celle-ci, ça peut faire la diff, puisque. Vous allez faire une rivalerie s'il a un terrain avec 4 types différents. Imaginons qu'il ait une negate, style Vortex. Et ben vous chinez Strike. C'est une contre-piège. Il peut rien chiner et vous remontez tout son board. Et rien que ça, c'est un argument sympathique. Alors après, c'est des 2 cartes combo non tutorisables. Faut pas non plus baser toute sa stratégie dessus. Mais
c'est toujours sympa. Après, les decks pendules nous font quand même assez mal, donc avoir un moyen d'annuler toute la pendule semaine pour 1500, je pense que c'est un deal plutôt honnête. Plutôt honnête, contre Tracker aussi, annuler une Kagari ou ce genre de choses, c'est plutôt cool. Voilà, c'est une bonne carte. On l'a sélectionnée parce que c'est vrai qu'elle est assez combo avec une Floodgate. Elle fonctionne quand même assez à deux. Donc c'est plutôt cool. Avec cette nouvelle règle du time aussi, est-ce que c'est envisageable de rentrer une carte où tu payes 1500? Ça va, 1500, là où ça va être plus difficile, c'est sur les deux cartes qu'on va vous présenter, qu'on ne présente plus plutôt, le jugement et le warning. Alors le warning, on l'a mis parce que c'est quand même une très bonne carte de manière générale. C'est une fois une... Qui contre Denko Seka. Qui contre Denko, voilà, et Pancratops. Sachant que ce strike aussi d'ailleurs. Mais jugement, c'est vraiment la MVP du deck. Pourquoi? Parce qu'elle negate absolument toutes les menaces que le deck peut avoir. Que ce soit Denko, Twin Twister, Heavenly, Red Reboot, elle négate vraiment tout ce qu'on a peur. Et du coup, moi j'aime beaucoup la jouer en side. J'aime pas trop la jouer main deck, elle est très axée first, mais après, ça c'est une question de goût, j'ai envie de dire. Voilà. Donc, on a volontairement pas parlé d'autres cartes de non-engine, ce sont les N-Trap. Tout simplement, parce que comme vous l'avez pu le voir, Demise a une place très importante dans le deck. Ce qui en fait aussi le défaut du deck, c'est de ne pas pouvoir jouer beaucoup d'entrap. Mais on a voulu quand même vous présenter quelques entrap qui, à notre sens, nous semblent très importantes. Et peuvent avoir leur place aussi dans le deck sans perturber le... la synergie avec Demise. C'est ça. Voilà. Donc la première, c'est le Reaper. C'est une carte qui peut jouer évidemment que si on joue une version avec extra deck. Elle est bien parce qu'elle peut chaîner un petit peu n'importe quand. On peut faire Demise, on la chaîne si l'adversaire est un monstre, gratuitement comme ça. Et puis les versions de Draco qui jouent un extra deck sont pas trop perturbées vu que l'extra deck on s'en fiche un peu. Il est là pour donner des ressources pour Cherise ou pour les pots d'extravagance, les Ravins du Waking Dragon aussi donc. Très bien comme entrap. Une entrap qu'on a voulu vous montrer, même si elle est bannie, qui était sympa dans le deck, c'était le maxé. Puisque en second, maxé c'est gratuit, c'est trop fort. Et quand on est premier, on peut toujours la défausser un peu dans le vide pour piocher avec Demise. Bon, on va pas se débattre dessus. Ouais. Hein, la carte elle est bannie, c'est qu'il y a une raison. Hein. Ensuite, une autre carte, c'est le Dédé Crow. Pareil, on peut la défausser de la main n'importe quand. C'est pas une carte qui a un impact énormissime dans les games, mais qu'on pourrait considérer un jour à jouer. C'est une entrap qu'on peut défausser n'importe quand, donc à partir de là, elle n'est pas en confrontation, en conflit avec Demise. Donc voilà. Évidemment, quand on parle d'entrap, c'est surtout en étant second. Bien sûr. L'autre entrap, c'est pas une vraie entrap, mais bon, qui quand même peut être synergique avec le deck, c'est le Fantasmé. Du coup, c'est une spé gratuite pendant le tour adverse. Et si on en a un deuxième en main, ça nous permet, on le remet dans le deck, ça nous permet de refaire nos mains aussi, donc c'est plutôt cool comme carte, j'aime beaucoup. Ça permet de débriquer les mains où en général on a deux monstres, trop Draco, ou quand on a beaucoup trop de monstres, trop Draco en main, c'est pas le genre de main qu'on aime. Puis on est content de les toucher effectivement, voilà. Bon après, elle est aussi là pour être un petit peu une aide pour draw les sphères de rat, par exemple. Moi j'aimais bien mettre Fantasmé et Sphère de Rat en même temps contre les decks Thunder par exemple. Donc voilà. Et enfin les N-Trap piège. Donc la plus connue, la meilleure en synergie avec le deck, c'est la Infinite. C'est une N-Trap de la main et sinon c'est une piège. Parfait. Enfin il n'y a pas grand chose à dire. C'est une carte qui est presque faite pour le deck contre les decks combo. Et dans le même style, un peu moins joué. Le Typhon, qui est une entrap pour les Magie Face Recto, plus pour les decks pendules. C'est une carte que le deck pourrait jouer, un petit peu plus difficile dans ce méta, mais bon. Il y a un vrai effet de surprise quand même, c'est une carte qu'on voit moins, et que l'adversaire, c'est pas une carte qui va anticiper dans ses mouvements, donc bien placé ça peut... perturber ses combos. Typiquement contre pendule c'est bien contre le niveau 4 là qui se met en scale, ça peut être sympa par exemple. Puis c'est aussi sympa sur en mirror match, l'adversaire il va nous faire un diagramme, on va laisser passer, il va faire un héritage pour draw, tac,
on défausse et soit on annule le héritage, soit on peut annuler aussi le diagramme s'il a posé. Ça dépend de la situation après bien sûr, mais voilà, c'est une carte qui est plutôt sympa à ce niveau-là. Donc voilà, on vous a présenté un petit peu toutes les cartes qui pourraient être jouées dans le deck, mais on voulait débattre sur les deux versions Trou Draco. Donc on parle bien sûr de la version avec extra deck et sans extra deck. Donc on va essayer de trouver des cartes pour imager tout ça. Donc du coup, bon, qui dit version avec extra deck dit utilisation de Cherise. Donc Cherise, comme on vous l'a dit précédemment, elle permet de gérer en fonction du... Donc Cherise, elle permet de gérer à peu près tous les decks, vu que les 15 cartes d'extra deck n'ont pas vraiment d'utilité dans le deck Trou Draco. Donc on peut vraiment, en analysant le méta, mettre toutes les cartes qui nous font vraiment peur. Et la version avec extra deck aussi peut jouer, comme on l'a dit, Pot d'extravagance et Waking the Dragon. Avec les deux targets qui vont bien ensemble. Donc voilà. Donc Waking the Dragon, si l'adversaire voit qu'on a joué Trou Draco en game 1 et qu'on a un extra deck, il va peut-être avoir peur de la Waking the Dragon. Donc peut-être qu'il activera ses cartes de destruction de MP sur des cartes qu'il connaît et non pas sur des cartes qu'il connaît pas. Par exemple. Et puis l'autre chose aussi très importante, la différence entre les deux versions. Donc déjà, si le format est avec Trou Draco dans le méta, c'est un peu embêtant parce que quand on joue un mirror match, on préfère laisser l'adversaire commencer. Logique, hein, on veut rentabiliser nos magies au piège. Mais contre d'autres decks, c'est un peu embêtant quand ils ont la possibilité de jouer la Beast Dweller. Et du coup, ça peut être aussi l'argument en sa défaveur, le fait d'avoir Abyss Dweller dans un format. C'est un peu moins le cas en ce moment, il n'y a que Salam qui peut jouer la carte. Mais voilà. Là, on préfère clairement la version sans extra deck. Trou Draco n'est pas le meilleur deck du format non plus. Et puis, au pire des cas, bah, on a juste appris que l'adversaire n'est pas d'extra deck non plus et on gagne le dé. Voilà. Non, c'est pas vrai, hein. On n'est pas aussi bon que ça. Et après, du coup, la version sans extra deck, comme on vous l'a présenté au début, le simple fait de pouvoir jouer 4 skill drain, ça fait que le deck est juste... Bah 3 du coup, puisque même avec extra, on peut jouer quand même skill drain, ouais. Mais c'est une carte qui est vraiment très forte à ce niveau-là, Erupt. Et vraiment, faut voir en fait l'apport d'un Erupt par rapport à l'apport de Cherise, Waking the Dragon dans le format. Et moi, clairement, je préfère avec sans extra deck. Savoir aussi que du coup, ça donne une ressource à sacrifier pour invoquer nos monstres. Aussi. Accessoirement. Du coup, on va passer sur la dernière partie qui va être la partie peut-être la plus intéressante. Ça va être comment contrer le side adverse. C'est vrai que le deck en lui-même, son plus gros point faible, c'est les manches 2 et 3. Parce qu'on se prend du side de partout, surtout certaines cartes. Donc on va vous les présenter un petit peu et puis vous dire quand c'est possible de jouer au tour. Le mieux possible. Donc déjà, on a les 3H. Des fois on peut pas jouer autour, on a que 10 miles, on se la prend, on est pas bien. Mais bon, il y a des moyens de la forcer en faisant des héritages pour piocher 2, en faisant des diagrammes, des fois l'adversaire va le faire. Ou un effet de Trou Draco, bon, même Peau des Désirs, comme tu l'as bien expliqué en début de vidéo. Voilà, difficile vraiment de jouer autour, ou invoquer Border, ou Call by the Grave, bon, c'est la même chose de toute façon. Ça va être pareil avec les Ghost Ogres. Bon, qui nous font quand même assez mal. D'ailleurs, qu'on a oublié de mentionner dans les N-traps qu'on peut jouer dans le deck, parce que la carte peut s'invoquer normalement. Donc on l'invoque normalement, on fait 10 miles, et après, comme la carte a aussi l'effet sur le terrain, on peut la sacrifier, donc plutôt sympa. L'autre carte aussi où on peut avoir peur, c'est les drolls. Pour jouer autour de drolls, à part activer la carte qui te fait le piocher le plus, il n'y a pas grand chose à faire non plus. Voilà, un peu moins présente dans le format, donc c'est plutôt cool à ce niveau-là. Ensuite, au niveau des monstres, c'est là que ça se gâte un peu. Il y a le fameux
Denko Seka. Je sais pas si ça t'est arrivé de perdre sous Denko, mais moi oui. C'est jamais plaisant. Mais bon, il y a quand même deux moyens, on va dire, de jouer autour. Le premier, c'est de flipper l'Aerupt en trophase. Ou d'activer une piège en début du tour aussi, donc en drophase. Si bien que si jamais il va vouloir invoquer le Denko, on sacrifie et la piège va péter le. Après, ouais. Après, faut. Si on. La technique la plus safe, c'est quand même d'activer les cartes. Si on se dit, j'ai une chance de me la prendre, c'est d'activer tout avant la Denko Seka. Au moins, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Mais le souci, c'est de révéler un peu ses cartes. Alors, le move le plus safe, à la rigueur, c'est d'activer la piège, comme ça on peut toujours tuer le but. Et l'adversaire, il peut peut-être penser qu'on n'a pas de monstre et se penser safe, ce qui n'est pas toujours le cas. Des fois on peut pas jouer au tour malheureusement, mais voilà comment on peut faire. Ensuite, une carte qu'on déteste particulièrement et qui est de plus en plus jouée en ce moment aussi, donc ça c'est pas. Le Pancratops. Alors c'est assez difficile de jouer au tour, mais il y a 2-3 astuces pour jouer au tour. Alors une astuce que énormément de gens oublient, c'est qu'il peut s'invoquer que si on contrôle un monstre. Du coup, on peut ne pas invoquer le monstre, tout simplement. Et en faisant ça, ça peut permettre de ne pas se le prendre. Et après, l'adversaire, on le laisse commencer à invoquer ses monstres. Et là, du coup, son Pancratop sera mort. Il y a une deuxième façon de jouer au tour. C'est avec le border. Alors, évidemment, pas border tout seul. Mais border avec Apocalypse. Pourquoi ? Parce que du coup on va avoir les deux. Et du coup quand il va nous invoquer son Pancratops, puisqu'il va vouloir passer en battle, avant qu'il aille en battle, on va activer l'effet de la piège, on va le sacrifier, et la piège en fait va péter le Pancratops. Il peut pas chaîner. Et il pourra pas le chaîner vu qu'il y aura border. Et c'est un des moyens de jouer autour. Donc c'est sympa des fois de pouvoir faire ce setup là. Sachant que même s'il a twin, du coup ok il aura twin, mais il aura toujours pas géré le border et c'est peut-être pas forcément évident pour lui. Bon, s'il a twin et Pancratops, c'est un bon joueur. Mais on essaye que ça arrive pas. Si on a de la chance. Ensuite, les cartes aussi. Alors c'est pas la meilleure assaille des contenus, mais c'est possible que des gens la jouent d'engine. Et du coup ça peut nous embêter. C'est les kaiju. Voilà. Comment jouer autour? C'est simple. Rivalry. Hop, on active Rivalry en drophase. Et comme on a que des Wyrm, si vous regardez bien, les Kaiju ne sont pas Wyrm. Et il ne pourra pas tenter de sacrifier vos monstres, vu qu'il n'invoquera pas quelque chose du même type. Donc c'est une des façons de jouer autour. Ça peut être intéressant aussi des fois d'activer la Erupt. Étant donné que ça nécessite d'avoir un monstre invoqué par sacrifice. Donc voilà. Donc si vous avez peur de vous le prendre et que vous voulez absolument que votre Erupt soit vivant, vous la faites en droit en face. Ensuite, les cartes où c'est quasiment impossible de jouer autour, malheureusement, c'est la fameuse Twin Twister, qui nous fait très 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 mal. C'est la carte dont on a le plus peur. La seule façon vraiment de jouer autour, c'est le Strike of the Monarch, ou Jugement, ou Imperial Custom, évidemment, voire Dark Bribe, qu'on peut présenter aussi. Voilà. Mais sinon, à part ça, c'est assez difficile de jouer autour. Dans le même style, elle commence à être un petit peu plus jouée en ce moment. C'est les cosmiques, qui sont quand même intéressantes puisqu'elles permettent de bannir nos magie piège trou draco et donc on n'a pas les effets. Ça c'est un peu embêtant. Donc voilà, globalement il y a ces cartes là. Et une nouvelle fois aussi dans le même style, on peut aussi se prendre Heavy Storm Duster, qui est en plus combo avec la carte Trap Trick. Qui permet directement de la poser et de l'activer. De se la prendre en fin de tour aussi, donc ce qui est jamais très agréable.
Voilà, c'est des cartes. Bon, bah, les pets MP. On aurait pu mettre MST aussi, mais vous avez quand même compris l'idée, je pense. Ensuite, une des grosses frayeurs du deck. Il y en a beaucoup. Hein. l'Evenly Match. C'est pas tout le temps évident de jouer autour, mais ça peut quand même l'être. Le simple fait d'invoquer Border, des fois, ça met tellement une pression à l'adversaire qu'on n'est pas obligé de tout poser. Donc c'est plutôt cool à ce niveau-là. Après, bah, y a toujours les mêmes cartes, en fait. Strike of the Monarch et Dark Bribe. Et si on veut vraiment aller plus loin, il y a aussi le Wiretap. Qui peut être qui peut negate la Heavenly. Voilà. La deuxième qui nous fait peur, un peu dans le même style, c'est le Red Reboot. Effrayant. Ça m'est arrivé plusieurs fois de perdre juste ce reboot. Mon adversaire il avait reboot, il m'a OTK. Je sais pas combien de fois ça t'est arrivé, Mehdi, mais. Ouais, en général, c'est moi qui les ai activés quand je joue pas trop Draco, donc je sais ce que les adversaires peuvent ressentir. Ah, ouais. Mais la carte est juste effrayante et. Je sais pas quoi dire d'autre parce que. Ouais, quand tu l'actives, t'as presque. Donc les mêmes outs, il y a ça, en plus de Solemn Jugement qui, on le rappelle, et là pour ça. Négate tous les problèmes du deck. Une autre carte très effrayante, pas très jouée en ce moment, voire presque pas du tout, c'est le virus qui peut nous ruiner à lui tout seul, sachant que il est presque tutorisable dans certains decks avec le griffon pour le récupérer. Donc ça c'est assez embêtant. Pas énormément de decks peuvent le jouer actuellement, peut-être Orcus, peut-être Thunder. Mais voilà, mais c'est une carte ouais, qui fait très mal. Et il n'y a quasiment aucun moyen de la contrer, si ce n'est de Infinite le Griffon ou d'utiliser soi-même un reboot sur le virus. Ce qui n'arrive que très rarement. Que très rarement, ouais. Ensuite, on l'a évoqué tout à l'heure, mais Draco peut le jouer, mais d'autres decks aussi. C'est le Waking the Dragon. Alors là, il n'y a pas de secret, il y a deux seules façons de jouer autour. Bah déjà, la première, c'est de péter les cartes qu'on connaît. Qu'on connaît, typiquement... les magies terrain. Les magies terrain, ouais, voilà, les cartes qu'on a recettes, par exemple un multi-roll, ce genre de truc. C'est les cartes qu'on peut facilement péter et jouer autour. Bon, des fois, on est quand même obligé de prendre des risques, hein. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut jamais péter les cartes de l'adverse. Et donc du coup, une autre manière de jouer autour de Waking Dragon, c'est d'activer donc Skill Drain ou Eruption of the Monarch pour prévenir des effets, des cibles que Waking Dragon pourra invoquer. La plus grosse frayeur qu'on a concrètement, c'est le Falcon. Alors du coup, si le Falcon est déjà sur le terrain, il ne sera pas affecté par le Skill Drain, mais si le Skill Drain est activé avant qu'il arrive, il va perdre ses effets à la vocation et du coup après sera un simple esclave qui va mourir sous Apocalypse ou qu'on va sacrifier avec une piège. Donc voilà, donc gardez ça à l'esprit. Après les autres targets qu'il peut y avoir, on va quand même le montrer. Donc il y a aussi le Bills qui était une plaie à passer dans les versions qui ne jouent pas qui jouent un extra deck. Parce que là, il n'y a que Skill Drain ou les cartes comme Stormforce qui peuvent le gérer. Il y a aussi Exterio Naturia et d'autres cartes qu'on peut aussi invoquer nous-mêmes, hein, parce que si jamais on joue, les guerriers d'une dernière planète ou le gros lard là, je sais pas comment il s'appelle, mais. Le train-train. voilà. Ensuite, dans les frayeurs, bah, il y a l'extra deck, les cartes d'extra deck. Donc il y en a quelques-unes. Donc on l'a évoqué, le Dweller, ça nous stoppe nos magies et pièges dans le cimetière, donc c'est un petit peu chiant, malheureusement. Dans une moindre mesure, il y a aussi le tornado, des fois qui est un petit peu difficile à gérer. Alors après, voilà, on a juste à invoquer un monstre et on le tape, mais bon, il peut toujours nous péter une carte, un diagramme, bon, c'est... Voilà. Et il faut aussi penser aux cartes qui détruisent un terrain entier. C'est vrai qu'on les voit peut-être pas assez souvent, mais typiquement, avec Citon bien placé, ça peut nous mettre dans le mal. Mais elle est quasiment plus jouée, mais il faut quand même y penser. Vous voyez de niveau 4, vous pouvez vous dire ah bah si je joue Exciton, je suis pas bien. Même si actuellement je ne le respecte pas trop parce qu'on le voit quasiment plus.
Dans la même idée, bah Black Rose, bah forcément, si vous voyez de quoi faire une synchro 7, bah... Un Destrudo par exemple, un Destrudo qui arrive sur la table, c'est vite arrivé. Voilà, bon c'est pas joué donc ne psychotez pas sur tout, mais voilà, ça peut arriver. Et la dernière c'est Trisbaina. Bon, de toute façon vous l'avez arrivé assez vite hein, quand vous allez vous la prendre. Bon, après il y a toujours les on peut chaîner toujours les rivaleries, on peut toujours chaîner Skill Drain, mais bon, c'est des cartes qui peuvent arriver. Voilà, bah écoutez, la vidéo était un petit peu longue, donc on a quasiment fait le tour. On voulait juste très rapidement évoquer 2-3 cartes, des petits débats par rapport au deck. Donc certains sont favorables au retour de Masterpiece. Personnellement, je le suis pas trop. Je trouve que le deck est beaucoup plus fair sans Masterpiece. Bon, après, s'il revient, je vais pas me mettre à pleurer. Je suppose que toi non plus. Un retour de Masterpiece rendrait le match-up contre le deck Sky Striker, par exemple, ou même Salamangreate vraiment. Favorable. Très très favorable. Parce qu'on voit pas trop comment il pourrait passer un Masterpiece. Piège monstre pour Salamangreate et magie monstre pour Sky Striker. Ouais. Et puis le fait d'avoir un moyen de détruire une carte à tous les tours, c'est fait que cette carte est juste overcheatée. On est d'accord. Ensuite, il y a des cartes qu'on n'a pas présentées, c'est les dresses. Alors, les dresses, c'est un petit peu moins connu. Sur le terrain, qu'elles soient invoquées par tribut ou spé, elles rendent intargetables les monstres, excepté elles-mêmes. Donc, quand on a deux sur le terrain, nos monstres ne sont pas intargetables du tout. Et l'autre effet, c'est quand elle est envoyée au cimetière, quand elle a été tribut, elle spé un masterpiece. Bon, c'était la target à l'époque, petit lapsus. Mais elle spé un trou raco. Mais bon, vu qu'il n'y a plus masterpiece, elle est un petit peu moins. Moi, jouer, j'aime pas trop la carte. Et ensuite, il y a le Metaltron. Alors, en ce moment, il pourrait être joué pour les Mirror Match. C'est vrai que quand il est sur la table, c'est compliqué pour un joueur qui ne le joue pas de le passer. On parle en Mirror Match Draco, évidemment. Mais je pense que Main Deck, ça me semble pas pertinent. Et ça peut être pertinent pour une carte qu'on a volontairement exclue de la vidéo. Et on vous en parle maintenant. C'est la nouvelle carte piège continue. Crackdown. Alors là, effectivement, ça pourrait avoir un sens de la jouer quand on joue Crackdown, puisque du coup, on prend le monstre adverse et on a déjà deux des matos pour invoquer Metaltron. Donc là, ça peut être un peu plus rentable. On vous laisse imaginer Crackdown avec Masterpiece, le bazar que ça aurait fichu. Mais bon, voilà. Peut-être en side, je réfléchis encore à la jouer. Et peut-être une petite clarification sur le rolling de Crackdown qui peut être important. Ouais, t'as raison. De si on détruit la carte piège, on rend le contrôle du monstre à l'adversaire. Même si on sacrifie. C'est ça. Coup. Et on n'envoie pas le monstre au skincare comme ça a pu être fait par certaines personnes. Vous êtes du vécu. Oui. Ok, super. Bon, bah voilà, cette longue vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu. Vous aurez appris pas mal de choses. Voilà, n'hésitez surtout pas à nous dire en commentaire si ce format de vidéo vous plaît ou si vous les trouvez trop longues ou si vous aimeriez pourquoi pas en voir plus sur d'autres decks. Ça nous a fait plaisir en tout cas de la réaliser. Pensez à vous abonner pour nous soutenir, aussi à liker notre page Facebook. Et puis bon, on se retrouve au CDF et j'espère conserver notre titre cette année. Voilà, on vous dit à la prochaine. Salut. Ciao. Joy.